je dormais profondément. J'ai fait un cauchemar. J'ai vu la tête de Jean-Pierre qui me parlait et qui me disait « Lève-toi, c'est l'heure du journal ». Nos parents manifestaient dans la rue pour abolir l'esclavage et libérer les corps enchaînés aux cadences infernales. Aujourd'hui, bande de petits connards, vous hurlez au travail, comme d'autres prêts à avouer sous la torture n'importe quel crime fictif. Les vitrines appellent au viol. Il est naturel de les briser. Merde de merde de merde de merde. Vous allez les brûler, vos putains de facs, vos ordures d'usine. Cette cinquième république bâtie sur les cendres d'un fascisme qui ne demande qu'à convulser de nouveau. Vous allez tout foutre en l'air, bordel de merde. Vous continuez vos revendications comme si c'était des coupures pub entre les kilomètres de télénovelas. Vomis sur vos blouses des colliers ignares. Au lieu de rêver que l'on vous donne 5 minutes la gueule collée contre l'écran pour exister, vous allez enfin prendre le poste à pleine main pour le rentrer sur la tête de l'élu de votre mairie. Ça va arriver quand? Est-ce que ça va arriver un jour? Combien de nuits de cristal allez-vous encore supporter? Est-ce que vous allez vous réunir encore longtemps? L'art de rue, c'est un brasier, un incendie, l'empire du feu. Incinération immédiate de tous les députés de l'Assemblée nationale. Éviscérement de tous les curés de l'Hexagone dans les plus brefs délais. Et que leurs âmes s'élèvent pour ne plus jamais repleuvoir. Avec les cendres de ces ordures, nous ferons pousser de quoi nourrir nos petits. Rétablissons la peine de mort pour ceux qui gagnent plus de 5000 euros par mois. Dressons un banquet, ouvrons le couvert pour dévorer ceux qui s'engraissent. Plantons nos fourchettes et nos certitudes entre les deux yeux de ceux qui n'ont jamais eu de désir et d'élection que pour le pouvoir. Redevenons chevaux. Essayez. Essayez donc de nous dompter. Prends donc chou. C'est l'heure du journal. C'est l'heure du journal.